Célia. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Super bien. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous présenter Des pinipons. Alors tu as reçu quoi? Des personnages. Alors déjà il y a l'ambulance Pinipon et c'est l'ambulance vétérinaire. Oui. Vétérinaire pardon. Donc ça c'est super chouette. Et à côté tu as reçu des personnages. Alors fais voir. Hop, merci. Alors voilà ce qu'elle a reçu. Donc il y a des petits animaux aussi avec. Là on dirait que c'est un petit poussin. Là il y a un petit singe. Et là un petit lapin. Et il y a plein de petits accessoires. Donc c'est vraiment super sympa en tout cas. Et puis bah, on va découvrir ensemble l'ambulance qui est juste à côté de toi. D'accord? Je suis d'accord. Bon allez tu ouvres? Oui. Allez vas-y. Je vais te donner. Alors ça. Voilà, on a ouvert le carton. Et on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, alors pour commencer. Donc il a la notice. Alors là c'est pour justement. Voilà. Alors c'est pour justement nous aider à assembler, je pense, l'ambulance. Et il y a des autocollants derrière à mon avis. Donc on va regarder ça ensemble après. Ok. Et ensuite il y a plein de choses à l'intérieur. Donc c'est tous les accessoires. Hop. Et là il y a quoi d'autre? Ici il y en a aussi. Et il y a deux personnages, ce que je vois aussi. Donc il y a un petit chat. Alors hop. Ici il y a un petit chat. Et ça c'est la personne qui va justement soigner les animaux. Car c'est une ambulance vétérinaire. Hop, qui est juste là. Elle est trop mignonne en tout cas. Bon, nous on enlève tout ça et puis on revient juste après. Bon alors voilà, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans la boîte. Alors il y a pas mal de choses hein. Bon nous on va tout assembler. Ça a l'air d'être super simple en tout cas à monter. Donc voilà. Il y a étape par étape. Et ici il y a aussi des autocollants. Donc voilà. Et aussi il y a déjà les piles. Oui il y a déjà des piles à l'intérieur. Donc ça c'est super sympa en tout cas. Mais bon, on vous montrera ça après. D'accord. Alors, on va essayer de monter ça ensemble. Alors, on va commencer par quoi? Étape 1. Alors, vas-y, étape 1. Alors, c'est le petit fauteuil qu'il faut assembler. Alors, est-ce que tu le vois, le petit fauteuil? C'est une genre de poussette, en fait. Ah oui, je sais comment. Et il y a... Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Attends. C'est ça. C'est bon, t'as trouvé? Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc, les grosses roues vont derrière... Et les petites devant. D'accord. Donc là, en fait, c'est une genre de petite poussette pour promener son animal. Quand il est malade. Voilà. Donc c'est super simple à monter en tout cas. Oui. Mais cherche la deuxième roue. Voilà. C'est bon, tu l'as? Oh, j'ai mis à l'envers. Allez, vas-y, je te laisse faire ça. Et après, on va regarder ce qu'il y a d'autre à faire. C'est bon, j'ai fait mon petit fauteuil. C'est bon, le petit fauteuil, il est fait? Oui, on le met de côté. Alors, ensuite, on va mettre la porte qui est derrière. Là, qui se met donc, là. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Ah. Faut mettre ça. Il se met là. Donc, est-ce que tu vas y arriver? Et je crois que ça, ça va se mettre là. Voilà. Donc, ça se met. Alors, attends, je vais t'aider. Voilà, on a installé la petite porte qui va derrière. Et ça peut aussi servir justement pour faire monter le fauteuil. Donc, qui est là. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite, cette petite porte là qui va juste là. Alors voilà, on a mis la petite porte juste ici. Il y a le petit côté là à mettre. Le sens là. Tu y arrives? Vas-y, faut appuyer. Voilà. C'est bon. Ensuite, là, je crois que ça se met là. Il y a ça qui se met juste là. Attends, je vais t'aider, tu galères là. Alors, on a installé ceci, donc c'est ce qui servira à fermer l'ambulance. Il y a aussi ça à installer dessus. Donc, ça se met là et c'est ce qui va servir à faire tenir comme ça. Donc, alors, je vais le mettre. Ça, on l'a mis. Maintenant, on a une petite fenêtre à mettre de l'autre côté. Juste là. Alors, bon, c'est assez simple à monter. Hein. Vraiment, puis c'est super rapide. Voilà, la petite fenêtre qui est mise. Voilà. Ensuite, alors, il y a quoi d'autre? Des tiroirs. Il y a des petits tiroirs. Alors, il y a plusieurs petits tiroirs. Il se met là. Et ça se met ici. Aussi, là, en jaune. Alors, le jaune, il se met là. Voilà. Ensuite, il a ça qui se met derrière. Alors, ça,
Oui, ça se met derrière la porte. Il faut un... Hop. Tu veux que je t'aide? Quand je vais être ici, ça devait se mettre là. Alors ça, voilà, ça s'assemble juste ici comme ça. Alors. Il y a plein de choses. Voilà. Aussi il y a un robinet à mettre. Et ça se met donc derrière la porte juste là. Voilà, hop, là on peut voir qu'il y a un trou. Et ça se met comme ça. Donc ensuite, super il y a simple. Un petit... Alors là, il y a un petit robinet. Un petit robinet, hop, on l'installe là. Attends. Ensuite, après c'est plein de petites de petits accessoires en fait. Mais qui se met quelque part. Bah ça après c'est des accessoires, donc on les met où on a envie, dans les tiroirs, on les range vraiment comme alors, on veut. Il y a tout ça, ce petit truc là qui se met, qui se met juste là pour mettre ça. Voilà, pour installer ce petit truc. Alors je vais essayer tu veux essayer de le mettre? Oui. Vas-y, je te laisse le mettre. Oui. Et moi pendant ce temps là je vais ranger tous les petits accessoires qu'il y a ici dans les tiroirs. Aussi il y a un ordinateur à faire. Il y a un petit ordinateur aussi à monter. Oui. Bon alors attends, moi je vais le monter alors. Alors. Ça se met là. Voilà, un petit ordinateur. C'est bon, j'ai réussi à le mettre. C'est bon, alors maintenant. Et on met ça. Je crois que la piqûre elle va là aussi. Oui, mais c'est comme ça. Voilà. Et moi je vais ranger tous les petits accessoires donc dans les petits tiroirs. Voilà. Hop, comme ça. Moi, je vais tout est rangé. Ah, il y a ça aussi qui sert à mettre autour du cou oui, en fait des animaux. Voilà. Voilà. En fait, il a des petites cartes qui se mettent. Alors, en fait, les petites cartes, c'est ce qui va servir à mettre ici. Donc ça en fait, c'est le toit de l'ambulance. Mais ça sert aussi à faire des radios. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a une, deux, il y a trois petites cartes et en fait, il suffit de les mettre ici. Et voilà. Et là, derrière, il y a un petit bouton pour allumer. Donc là, ça allume niveau du toit. Et donc, ça allume la radio. Et aussi... Et on pose le petit chat juste là. Ici. Voilà. Et il fait sa petite radio. Et il fait sa radio. Bon, il y a des autocollants aussi à mettre encore. Oui, on va les mettre après. Et bon, bah, je pense qu'on a terminé l'assemblage de l'ambulance. Oui. Maintenant, on va mettre les autocollants, d'accord? Oui, et après, on ouvrira les petits personnages qu'on a reçus juste ici. Bon, maintenant qu'on a donc fini d'assembler l'ambulance, on va s'occuper de mettre les autocollants. Donc, et ça, alors, ça se met là-dessus, je crois. Alors, il y a celui-ci, je ne pense pas. Alors, attends. Alors, déjà, ça, c'est la radio. Ça se met juste là. Je le mets. Vas-y, je te laisse le mettre. Que je le mets bien. Vas-y. Colle-le bien, attention. Ça se met ce sens ou ce sens? Alors, fais voir. Hop. De ce sens-là, comme ça. Vas-y. Je te laisse le mettre. Je vais le mettre n'importe comment, je le sens. Tu veux que je le fasse? Oui, quand même. Alors, celui-ci, il se met derrière. Derrière. Juste je là. Tu peux l'enlever? Vas-y, enlève-le. Tu y arrives? Et d'accord. Le gros, il se met devant. Voilà, et il y a celui-ci qui se met devant. Mais je vais le mettre, d'accord, d'accord. Tu t'en sors? Oui. Oui. Bon, alors vous savez quoi? Nous, on va terminer de mettre les autocollants oui. Et on vous montrera le résultat final à la fin. Bon, alors voilà, on a installé tous les autocollants sur l'ambulance de vétérinaire ainsi que sur le petit truc qui est juste là, là. Donc ça, c'est ce qui va servir de toit à l'ambulance et ce qui sert à faire les radios pour les animaux. Bon, alors ça te plaît? Oui, c'est trop bien. Nous, en tout cas, on adore les pinipones. Oh, oui. On adore. On trouve adore, ça vraiment super mignon. Oui. Alors, et l'ambulance, vraiment super sympa. Donc là, voilà, on peut voir, c'est comme ça. Et ensuite, on peut la refermer. Alors, hop, on la referme. Voilà. Ça, c'est là. Ça, c'est quoi ici? Ça, normalement, c'est pour poser... l'animal ici. Ah. Voilà, comme ça. Il était
et il y a le toit qui se met là. Et voilà, ça fait une ambulance. Voilà. Elle est vraiment super sympa. Hop. Elle est pas mal, hein, cette ambulance Pinipon. Oui, il y a des petits points pour justement mettre les personnages dessus. Parce qu'il faut savoir que sous les personnages Pinipon, il y a des trous. Tiens. Voilà. Hop. Et donc comme ça, on peut les installer où on veut. Comme là. Hop. On peut le mettre ici et comme ça, là. Hop, il passe sa radio. C'est vraiment super sympa. Bon, maintenant on va découvrir le petit coffret de personnages qu'on a reçu en plus. Oui. Ouais. Allez. Donc on met ça de côté. Voilà, mets ça de côté. Et ça va ici. Et on va ouvrir les petits Alors, personnages. On a reçu en plus ce petit kit de personnages Pinipon et qui justement va avec l'ambulance de vétérinaire car il y a des petits animaux aussi dessus. Et bon bah c'est à partir de 4 ans. Et donc voilà, 4 ans et plus, et il existe plusieurs coffrets différents, et il y a plusieurs animaux différents aussi. Donc nous, là, on a eu celui-ci. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Bon, je te laisse ouvrir ? Oui. Et puis on revient. Alors voilà comment ça se présente. Bon, bah maintenant on va tout enlever. Oui. Tu vas y arriver ? Oui. Tu feras les personnages. D'accord. Il y a plein de petits accessoires avec, c'est vraiment super sympa. Oui. Alors voilà, on a enlevé les petits personnages de l'emballage. Alors qu'il y a le petit poussin, le petit singe et un petit lapin. Ils sont vraiment trop mignons. Alors il y a aussi un petit garçon aux cheveux bleus, une petite fille aux cheveux roses et une autre petite fille aux cheveux verts. Et ils sont vraiment trop beau ces petits oui. personnages Pinipon, vraiment moi j'adore. Et il y a aussi plein de petits accessoires et nous on a craqué pour ce petit appareil photo avec son trépied. Vraiment j'adore. Moi aussi. Et voilà, après il y a plein de petits accessoires, miroirs, brosses et plein de petites choses. Il y a aussi un petit sac à main qui est là. Trop adorable. Hop, juste ici. Donc voilà, c'est vraiment super sympa ces petits Pinipon. On adore la gamme Pinipon. Oui, c'est vraiment des figurines trop mignonnes. Oh oui, j'adore. Et plus, donc on voilà. On peut changer de tête. Oui, voilà, on peut changer l'humeur des têtes des figurines. Donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà pour l'ambulance qui est juste là. Et les petits personnages. Mais on vous mettra dans la barre d'infos oui. Pour si vous voulez commander l'ambulance et le petit coffret de personnages. Donc voilà, on vous mettra tout ça dans la barre d'infos. Bon, maintenant c'est bon, on dit au revoir. Oui, au revoir Témouse. Mettez-vous plein de pouces bleus, plein de commentaires et surtout abonnez-vous. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde.